Mais avec l'installation de la retraite pivot, c'est le départ pour tous à 64 ans, sauf les plus riches, celles et ceux qui finalement auront eu toute leur vie, toute leur carrière, les salaires les plus importants et qui pourront se permettre de faire un sacrifice de 10% sur leur pension. Donc cette question de l'âge pivot, elle est cruciale. C'est une marque d'inégalité sociale terrible parce que dans les faits, les plus pauvres, ceux qui auront eu les carrières les plus hachées, eh bien devront travailler plus longtemps pour finalement gagner moins. Le discours d'enfumage qui avait été tenu par le gouvernement sur le fait qu'on allait en particulier tenir compte de la pénibilité est en train de voler en éclats. Et en plus, les décotes que promet le gouvernement avant 64 ans et progressivement après vont toucher de plein fouet les salariés du privé. Et si aujourd'hui il y a autant de monde dans les rues en France, c'est bien sûr parce que la mobilisation du public est très forte, mais elle ne peut pas être aussi forte s'il n'y avait pas maintenant beaucoup de salariés du privé qui étaient dans la rue. Les grandes gagnantes, les femmes, mon œil, parce que je vais prendre qu'un seul exemple, ils vont prendre en compte l'ensemble de la carrière. Donc ça va absolument désavantager les femmes, puisque c'est elles qui ont les carrières les plus hachées, qui ont des accidents de parcours, qui ont le plus de temps partiel. Et donc en prenant l'ensemble de leur carrière, ça va encore diminuer leur pension. Alors quand on sait que c'est elles qui ont les salaires les plus bas, ben, c'est du bluff, c'est de l'enfumage. Aujourd'hui, c'est une mobilisation exceptionnelle. La suite, c'est le retrait de la réforme. Le gouvernement doit arrêter de jouer le bras de fer, de jouer la tension permanente et la brutalité, qu'il retire sa réforme contre laquelle la majorité de nos concitoyens sont mobilisés aujourd'hui. Qu'il manifeste ou qu'il ne manifeste pas, nous ne voulons pas de cette réforme, qu'il la retire. L'humanité, la loi Macron décryptée, demandez Dumas.